Le château de Saint-Mesmin est une forteresse médiévale. Son enceinte primitive hexagonale du XIVe siècle est flanquée de tourelles en forme de fer à cheval. L'une d'elles est devenue, au XVe siècle, le donjon actuel. Au pied de ce donjon haut de 28 mètres coule encore le petit ruisseau, le Sevrot, qui alimentait autrefois les douves. Aujourd'hui, il constitue la frontière administrative entre les communes de Saint-Mesmin en Vendée et de Saint-André-sur-Sèvre en Deux-Sèvres, à laquelle il est rattaché. Ce château fort conserve bon nombre d'éléments d'architecture défensive de l'époque, montrant bien donc l'évolution des techniques de guerre. Donc on retrouve pont-levis, archères, canonnières, mâchicoulis sur chemin de ronde, ourdages, herses, douves. La salle d'armes située aujourd'hui au quatrième niveau du donjon témoigne de l'importance de cette forteresse édifiée pendant la guerre de Cent Ans dans le Poitou. À l'origine de la construction, la famille Montfaucon, vassale de la très puissante famille l'archevêque des Parthenay, donc habitera ce château jusqu'au début de la Renaissance. L'aspect résidentiel du donjon est encore largement visible à chaque étage et on retrouve, pour accéder à tous ces niveaux, un monumental escalier en vis de granit. À chaque palier, on retrouve une vaste salle dans laquelle on retrouve cheminée, conduit de latrine, donc c'est-à-dire les toilettes, deux grandes baies munies de coussièges qui montrent le souci de confort évoluant au fil du temps. Une chapelle et sa sacristie occupent le premier niveau du donjon. C'est la seule salle du château avec sa voûte sous coupole, mais on retrouve à l'intérieur des traces de la première vocation de cette salle, qui était plus une salle à vocation militaire, avec des chambres de tir où l'on retrouve les archères canonnières. La salle principale du château, appelée logis seigneurial, est située au pied du donjon. Elle constitue la pièce d'apparat tant au Moyen-Âge que pour les siècles suivants. Salle publique avant tout, elle accueillait cérémonies, fêtes et banquets, mais servait également de salle de justice. Les armoiries des différentes familles propriétaires du château ornent encore les murs, par ordre chronologique du XIVe au XVIIIe siècle, de Montfaucon, Duplessis, de Vaudrey de Saint-Phal, Petit de la Guerche et de Vasselot. Les servitudes du château, cuisine et office, sont toujours visibles au rez-de-chaussée et sont distribuées autour de la haute cour intérieure, encore partiellement dallée. La cuisine du château, relativement modeste, est équipée de deux cheminées. La plus monumentale date du XVe siècle, l'autre du XVIIe siècle, est reconnaissable par la gueule de l'ancien four à pain. L'office ou arrière-cuisine est aujourd'hui l'unique accès à la cave du château. Très jolie cave voûtée qui, au Moyen-Âge, permettait le stockage des vivres. Le châtelet d'entrée, daté du XIVe siècle, est composé de deux tours jumelles qui forment donc l'entrée principale. Cette pièce maîtresse de la fortification est composée à l'origine d'un pont-levis à flèches, d'un assommoir, d'une herse, de chambres de tir permettant donc d'assurer la protection de cette entrée. Le pont-levis à flèches disparaîtra en 1796 lors d'un siège entre républicains et vendéens. Propriété de la famille Proust depuis la Révolution française, ce château restera inhabité au XIXe et au XXe siècle et donc subira donc les affres du temps. Alors, depuis 1989, l'association du château de Saint-Mesmin s'est évertuée à le restaurer et le syndicat mixte du château de Saint-Mesmin a repris la relève à partir de 2003. Cette collectivité engage chaque année donc des travaux de restauration sur le site, donc qui sont financés à la fois par le département des Deux-Sèvres, le département de la Vendée, la région Poitou-Charentes, la région Pays de la Loire et l'État.